Voilà les gars, partagez le direct, parce que là je vous informe que ma page Facebook en ce moment a des soucis. Il y a des gens qui se sont permis de signaler la page. Donc pour cela, j'ai des soucis, c'est-à-dire les 100 000 abonnés qui sont sur la page ne pourront pas voir cette vidéo si vous ne la partagez pas. Donc, partagez le direct afin que je puisse voilà, partager un message et parler de demain, ainsi que parler aussi de la Côte d'Ivoire, de ce qui se passe. Donc, si vous ne partagez pas le direct, les gens ne pourront pas voir le direct parce que la page a un souci. Donc, partagez le direct, s'il vous plaît. Partagez le direct. Je vais essayer de partager aussi le direct. Partagez le direct comme ça. Voilà, les autres vont vous aussi parce que la page, je vous signale que la page, elle a été voilà, restreinte. Donc, les abonnés de la page ne peuvent pas voir la vidéo. Donc, il faut partager le direct. Partagez le direct, les gars, s'il vous plaît, partagez le direct, afin que je puisse parler. Donc, voilà. Parce que là, la page, cette page-là, elle a un problème. Voilà, elle a un problème. Partagez le direct, les gars, partagez le direct.
Partageons le direct, les gars, partageons le direct. Voilà, donc les gars, partagez le direct. Voilà. Voilà, mouillé, c'est mouillé, il n'y a pas mouillé sec. Voilà, donc ce soir, je suis là pour faire ce direct, pour parler à la Côte d'Ivoire, parler à la Côte d'Ivoire, à la population de la Côte d'Ivoire, au peuple ivoirien, afin qu'on puisse prendre position. Donc déjà, j'aimerais vous dire de partager le direct parce que la page a un souci. Et les abonnés de la page ne peuvent pas voir le direct. Donc, partagez le direct afin d'appeler les gens. Donc, pour commencer, nous allons parler déjà de ce qui se passe à Abidjan. Ce qui se passe en Côte d'Ivoire précisément. En ce moment, nous observons des tueries et des emprisonnements effectués par le gouvernement du Côte d'Ivoire. Voilà, les gens ne veulent pas que je parle, les gens veulent fermer ma bouche, mais ils ne peuvent pas fermer ma bouche. Voilà, donc nous allons commencer sur le sieur Alassane Dramane Ouattara, qui n'est plus président de la Côte d'Ivoire, qui n'est plus le président actuel de la Côte d'Ivoire. Il est un candidat comme les autres, d'après lui, parce que normalement, la Constitution ne lui permet pas d'être candidat. Mais vous le savez déjà, mais lui, il a... Donc, il n'est plus le président de la Côte d'Ivoire. Maintenant... Il se passe des choses en Côte d'Ivoire que nous ne pouvons pas accepter. Voilà, donc ce soir, je vais parler à mes frères d'armes et ensuite parler à la population. Donc ce soir, j'aimerais demander ici au peuple de Côte d'Ivoire, qu'est-ce qu'ils veulent? Ce qu'ils veulent. Parce que tout le monde accuse. Ouais, la main ne fait rien, la main ne bouge pas, la main ne fait pas ça, la main ne fait pas ça. D'accord, la main ne fait pas ça, la main ne fait pas ça. Mais Côte d'Ivoire même, à vous-même, la population d'Abidjan même là. Est-ce que vous participez aux manifestations? Parce que vos amis sont toujours devant les manifestations, mais vous ne participez pas aussi. Donc ce soir, je suis venu lancer un message qu'à partir de demain, lundi, il va se passer, à partir de demain, lundi, il va se passer beaucoup de choses en Côte d'Ivoire. Que les gens même... lundi, il va se passer beaucoup de choses en Côte d'Ivoire. Et mais j'aimerais dire ici, à la population de Côte d'Ivoire. Que tu sois à Dabou, que tu sois à Bongouanou, que tu sois à Bengourou, que tu sois à Odiené, que tu sois à Divo, à Dimbokro, je ne sais pas où tu te trouves demain en Côte d'Ivoire. Demain, lundi, il faut que tu te mettes dehors. Il faut que tu vas dans les rues de la Côte d'Ivoire. Il faut que tu te promènes, il faut que tu fasses des manifestations dans les rues de la Côte d'Ivoire, ainsi qu'à Abidjan. Parce qu'à Abidjan, nous avons besoin des gens à Abidjan pour faire des manifestations. Oui, parce qu'aujourd'hui, on nous parle de un monsieur qui est au pouvoir, qui détient le pouvoir de Côte d'Ivoire, qui ne veut pas lâcher le pouvoir. Pour lui, il se prend pour un roi. C'est lui qui, aujourd'hui, dicte des lois comme il veut. Aujourd'hui, on nous dit que lui, Ouattara, c'est-à-dire après le 31 octobre, ce qui veut dire le 1er novembre, lorsqu'on rentre dans le 1er novembre, il va encore changer la constitution de la Côte d'Ivoire. Donc, ce soir, vu au regard de tout cela, changement de constitution, qu'on change comme si on changeait de l'eau dans un gobelet, la répression de la population, des manifestants, les microbes qu'on déverse dans les villes pour aller tuer la population, nous allons parler de cela ce soir. Donc, j'aimerais ici appeler. Que tu sois militaire, que tu sois policier, que tu sois gendarme, ce qui se passe en Côte d'Ivoire en ce moment, est-ce que vous êtes d'accord avec cela? Ce qui se passe, parce que j'étais là tranquillement, il y a une dame qui m'a appelé au téléphone, qui m'a dit que oui, je suis togolaise, je suis togolaise, je suis proche du pouvoir de Togo. En ce moment, ce qui se passe en Côte d'Ivoire, les tueries et tout, je suis indigné.
Je ne crois pas. J'ai mal quand je vois les tueries qui se passent en Côte d'Ivoire. Alors j'appelle pour donner des informations. Nous avons des militaires gendarmes du Togo qui sont allés prêter main forte au gouvernement de Côte d'Ivoire. Mais on ne savait pas qu'ils allaient dans ce cadre, aller frapper les manifestants, aller tuer les manifestants. Donc j'aimerais dire ici à nos frères ivoiriens, à nos frères gendarmes, à nos frères policiers, à nos frères militaires. Vous êtes assis dans les casernes en Côte d'Ivoire. Vous êtes assis dans les casernes, vous attendez vos salaires chaque fin du mois. Même en ce moment, ce qui se passe en Côte d'Ivoire, ça ne vous concerne pas. Ils sont en train de frapper les manifestants, tuer les manifestants, mais vous, ça ne vous concerne pas. Est-ce que vous savez quels sont ceux qui sont en train de tuer la population de Côte d'Ivoire? Vous ne le savez pas. Ce sont les étrangers, ce sont les mercenaires engagés par le gouvernement Ouattara. Mais je crois qu'il y a d'autres qui savent cela parmi vous. J'aimerais vous parler d'ici d'un monsieur qu'on appelle Apalo. Est-ce que vous savez pourquoi Apalo est engagé dans ce combat aujourd'hui? C'est parce que Apalo a fait tuer plus de 150 élèves gendarmes lors de la prise du pouvoir en 2010 par le gouvernement Ouattara. Donc, pendant qu'elle a tué ses élèves gendarmes, il y a eu d'autres qui sont évadés, qui sont échappés. Il y a eu ceux qui sont échappés. Donc aujourd'hui, Apalo, il est dans son plein droit d'essayer de réprimer les manifestants, essayer de tuer la population de Côte d'Ivoire pour ne pas que les gens s'élèvent. Pourquoi? Parce qu'il a peur, si jamais Ouattara perd le pouvoir, il sait qu'il est mort. Il sait que ces gendarmes qui sont échappés, qui ont vu leurs collègues se faire tuer, qui ont vu leurs cousins se faire tuer, qui ont vu leurs frères se faire tuer, ils vont crier vengeance sur Apalo. Voici pourquoi aujourd'hui Apalo réprime la population de Côte d'Ivoire. Voici pourquoi aujourd'hui Apalo tue les Ivoiriens. Les gars, partagez le direct parce que, comme je l'ai dit, ma page a été bloquée. Je ne peux pas, c'est-à-dire mes abonnés, ceux qui sont abonnés sur la page, peuvent pas voir la vidéo. Donc, partagez le direct afin que les gens puissent voir la vidéo. Donc, je disais, Apalo, il est dans son rôle. Il est dans son rôle, pas pour protéger Alassane Dramane Ouattara, mais protéger lui, sa vie et son avenir, parce qu'il a fait tuer 150 élèves gendarmes lors de la prise du pouvoir d'Alassane Ouattara. Donc, aujourd'hui, il ne peut pas, lui, Apalo, ne peut pas accepter que le gouvernement Ouattara. Donc, il ne peut pas accepter cela. Parce que s'il a même là, c'est fini pour lui. Les gens vont crier vengeance. Ceux qui n'ont pas pu tuer, qui sont échappés, vont crier vengeance. Voici pourquoi Apalo est dans ce rôle. Mais je vois un gars qui s'appelle Youssouf Kouyaté. Youssouf Kouyaté. Ce policier-là. Celui-là qui permet aujourd'hui que les mercenaires togolais transportent les microbes dans les villages pour aller les déposer. Mais ici, je parle à mes frères. Lorsque vous voyez les microbes dans les villages en train de tuer les gens, ça vous va droit au cœur. Parce que je me dis, dans l'armée de Côte d'Ivoire, il n'y a pas peut-être Adoukou, il n'y a pas Bété, il n'y a pas Guéré, il n'y a pas Dida, il n'y a pas Abé. Il n'y a pas Koyaga. C'est-à-dire, ceux qui sont dans la mer aujourd'hui, ce sont les mercenaires. Donc, vous êtes assis dans les casernes et vous regardez. Sans rien dire. Ils sont en train de tuer les Ivoiriens et vous êtes là. Vous ne parlez pas. Vous ne parlez pas. Personne ne branche. Mais j'aimerais dire ici à Ouattara, pour toi, c'est fini. Parce que ce que tu as commencé, tu ne pourras pas terminer. Et c'est parce qu'aujourd'hui, on veut nous faire un auto-coup d'État. C'est-à-dire, Ouattara veut se faire lui-même un coup d'État, en profiter de cela pour aller arrêter le président Bédié, arrêter aussi le premier ministre Afi Nguessant. Mais j'aimerais dire ici à Ouattara, l'auto-coup d'État que tu veux faire, si tu essaies, ça va te faire tomber. C'est ce même coup d'état que tu vas vouloir te faire qui va t'allumer.
Et si tu ne le fais pas aussi, tu seras allumé. Parce que nous sommes fatigués de tout cela. Nous sommes fatigués de tes bêtises. Tu as assez tué le peuple ivoirien. Tu as assez tué les Ivoiriens. Nous sommes fatigués. Nous crions vengeance. Aujourd'hui, tu dites les lois comme tu veux. Que si je ne me présente pas, si je ne me présentais pas, il allait avoir la guerre au sein de mon parti RHDP. Donc toi, ton parti RHDP, là, sans eux, là, la Côte d'Ivoire ne peut pas vivre. En San Ouattara, lorsqu'on crée la Côte d'Ivoire, le RHDP n'existait pas. Mais les Ivoiriens vivaient en harmonie. Aujourd'hui, tu nous dis, si le RHDP n'est pas au pouvoir, la Côte d'Ivoire ne peut pas aller en avant. Que tu ne peux pas laisser la Côte d'Ivoire dans la main des autres. Tu te prends pour un roi. Tu te prends pour un dieu. Mais tout ça va finir. J'aimerais d'ici à la jeunesse ivoirienne, parce que je ne vais pas dire. Les gens vous font croire que oui, ceux qui vont venir là, ils ne vont pas s'occuper de vous. Et je vous dis ici que c'est archi faux. Je prends un exemple. Ceux qui habitent Koweït, Yopougon Koweït, dites-moi, est-ce que vous avez déjà vu Mamadou Touré au Koweït une fois? Ceux qui habitent Dabou, les jeunes de Dabou, est-ce que Mamadou Touré, c'est déjà le ministre de la jeunesse, s'est déjà rendu une fois à Dabou? Ceux qui habitent Bonoua, le ministre Mamadou Touré, il s'est déjà rendu à Bonoua. Pour les jeunes qui n'ont pas de diplôme, c'est-à-dire les jeunes qui n'ont pas de diplôme en Côte d'Ivoire, qui sont enjambés dans les rues, qui sont à Yopougon dans les rues, à Bobo dans les rues, jamais un ministre de l'État va vers eux. Mais c'est vous, on l'utilise pour aller tuer les manifestants. Vous êtes dans la rue, Mamadou Touré, jamais il va aller à Ouassakara. Jamais Mamadou Touré va aller à Benta. Jamais Mamadou Touré va aller derrière Rai. Mais je vais vous dire une chose ici. Mamadou Touré, il fait toujours des conférences de presse avec des jeunes qui ont des diplômes. C'est-à-dire, on favorise ceux qui ont les diplômes en Côte d'Ivoire. Or, ils savent très bien qu'en Côte d'Ivoire, au moins 80% de la population, de la jeunesse n'ont pas de diplôme. 80% de la jeunesse n'ont pas de diplôme. Mais comment encadrer ces jeunes? Tu habites au Koweït, tu es allé à l'école, tu es arrivé en 3e, tu es arrêté, tu es arrivé en 4e, tu es arrêté, 6e, tu es arrêté. Aujourd'hui, là, ils s'en foutent de vous. Ce gouvernement que vous voyez, de la jeunesse, ceux qui n'ont pas de diplôme, même ceux qui ont des diplômes, qui vont dans les conférences et tout, avec Mamadou Touré, je vous dis, on vous prend sur critère. Aujourd'hui, dans l'armée, vous savez qu'ils ont recruté beaucoup de gens du Nord. Il faut le dire clair. Ça, c'est la vérité. C'est pas pour dire non que oui, mes frères du Nord, ils sont trop bons. Non, c'est la vérité. Il faut le dire clair. Regardez les généraux. Vous-même, regardez les généraux, ceux qui donnent les ordres. Mais moi, je vais vous dire ici, ceux qui viennent vous dire que oui, si ils quittent le pouvoir, la jeunesse, ils vont pas, ceux qui vont venir ne vont pas s'occuper de la jeunesse, je vous dis, restez sereins. Dès demain lundi, prenez les rues d'Abidjan. Il faut qu'on nettoie ce pouvoir et vous allez voir, lorsque ce pouvoir va quitter, lorsque Ouattara va quitter le pouvoir, vous allez voir ce que nous allons faire pour la jeunesse. Vous allez. Nous avons voyagé. Nous avons compris comment le monde fonctionne. Nous avons compris comment les autres pays fonctionnent. Alors, ceux qui n'ont pas de diplôme, tu as diplôme, tu n'as pas de diplôme, sache que si ce pays-là, si ce gouvernement-là quitte, là, si ce gouvernement quitte, tu n'as pas de diplôme. Même si tu es au village, voilà, il a dit que je vais faire cette lutte-là. Vous allez tous avoir du boulot. C'est pas un débat. Il y a des gens qui vont dire non, c'est pour faire baisse ou bien. Non. Nous allons travailler pour ça. Et mon combat, c'est pour cela. On va travailler dessus. Tu as diplôme, tu n'as pas de diplôme, tu vas travailler.
Mais nous allons quitter dessus. C'est pour vous dire. C'est pour vous dire. Ce combat que vous êtes en train de faire là, c'est un bon combat. Parce qu'ils ont peur que ça change. Aujourd'hui, là, quand on parle de travail, on prend les jeunes qui ont diplôme. On ne prend pas les jeunes qui n'ont pas de diplôme. Mais lorsqu'on parle d'aller tuer les manifestants, on prend qui? C'est les jeunes qui n'ont pas de diplôme qu'on prend. Les jeunes qui sont dans la rue, qui sont délaissés. Un jeune qui donne 150 000 francs, qui n'a jamais vu 150 000 francs. Mais il va se lever pour aller tuer des gens. Et c'est ce qui arrive. Et c'est ce qui arrive à Tabou. Mais j'aimerais dire ici aux frères de Tabou, les gars, soyez prêts, population de Côte d'Ivoire, soyez prêts. Nous ne pouvons pas laisser ce pouvoir continuer dans sa sale besogne. Nous devons nettoyer ce pouvoir. Et c'est avec les manifestations que nous allons faire ça. C'est avec les manifestations que nous allons faire ça. Les gens m'empêchent de parler. Aujourd'hui, vous-même, vous voyez, je vois que 130 personnes. Parce que ma page est bloquée. Donc, ceux qui sont là, c'est les nouveaux arrivants. Ils ont restreint ma page. C'est-à-dire, les anciens abonnés, les 100 000 abonnés, ne peuvent pas voir la vidéo. Mais, partagez le direct, partagez la vidéo, informez les gens. Nous allons travailler. Vous savez, ceux qui sont en train de faire ça, qui essaient de m'empêcher de parler, ils ont peur. Parce qu'ils savent que nous allons prendre le dessus sur la communication. Nous allons prendre le dessus sur les actions à venir. Donc, ils ont peur. Qu'est-ce qu'ils font? Ils veulent être au devant de la communication. Et je sais qui est derrière ça. Mais nous allons régler ce problème. Je sais très bien qui est derrière ça. En nous empêchant de parler. Je sais très bien qui est derrière. Et nous allons régler ce problème. Comme c'est à ce jeu qu'ils veulent jouer. On a très bien dit, laissons les palabres, laissons ça. Allons dans un combat commun. Mais eux, aujourd'hui, ils en profitent pour agir dans nos dos. Et je vous confirme ici que toutes les pages des gars qui font vraiment bruit dans ces temps-ci sont signalées, sont désactivées par Facebook parce qu'il y a un monsieur qui se permet de le faire. Il deal avec nous. Mais c'est lui qui passe derrière pour faire tout ça, bloquer nos pages. Sans parler de FPI TV, qui est une bonne page, qui partage tout, qui nous informe à tout moment, qui nous donne des nouvelles. Ils ont fait tout pour bloquer la page de FPI TV. Et je sais qui est derrière ça. Mais pour le moment, nous allons nous concentrer sur Ouattara. Parce que Ouattara, là, il va tomber. Ouattara va tomber, qu'il pleut, qu'il neige. Je vous dis, soyez rassurés. Ouattara partira. C'est pas un débat. Tout ce qu'il est en train de faire, vous voyez très bien. Il s'est passé quoi la dernière fois à Dabou? Lorsque la jeunesse est levée, ils ont pris des microbes, ils les ont envoyés à Dabou. Arrivé à Dabou, ces microbes ont été neutralisés. Quand ils ont compris que les microbes n'ont pas pu faire leur sale boulot, alors, les mercenaires recrutés par Ouattara dans les autres pays, ce sont eux qui sont rendus à Dabou, habillés en CRS, en gendarme. Ils sont arrivés, ils ont maté la population. Mais j'aimerais vous dire ici, les armes qu'ils prennent pour aller sur le terrain, ils ne peuvent pas tirer. Lorsque vous voyez les chars dans les rues, les chars ne peuvent pas tirer sur la population. Il fait ça, il signe son arrêt de mort. Donc, peuple de Côte d'Ivoire, restez mobilisés. Demain est un grand jour. La semaine qui arrive là, ceux qui disent, ouais, vous parlez là. Et faites aussi votre boulot. Quand on vous dit de sortir là, sortez. On lui dit, vous parlez. On dit, voilà, match va finir. Là, c'est dans cette semaine. La semaine prochaine, c'est la fin du match. Nous allons jouer ce match ensemble.
En tout cas, je vous fais confiance. Partagez ce direct. Partagez ce direct. Je n'ai pas pu faire, je ne peux pas dire j'ai fait un bon direct ou pas. Mais à cause de ma page, je ne peux pas. Voilà, je n'ai pas fait des directs tout le temps parce que la page est déjà gâtée. Mais nous allons gérer ça. Nous allons concentrer les gars. On se prend à partir de demain. On se prend à partir de demain. Jusqu'à la semaine va finir là. Le travail sera propre. N'hésitez même pas. Lorsque l'opposition vous dit de sortir, les gars, sortez. Le travail sera fait propre. Voilà. Donc, passez une bonne soirée. Je vous remercie.